Ok. Et... Oh, sérieux, Salania, quoi. Non mais, oh, sans déconner, Salania, merci pour le resub. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Voilà, le gros... Voilà, c'est... ça mérite quand même. tu joues pas à la manette? Non, je vais faire au clavier souris, parce que vu que c'est en FPS, bah, je vais faire clavier souris. Et d'ailleurs, bah, c'est pas un clavier, mais c'est un Tartarus, pour ceux qui me connaissent pas, d'ailleurs. Bah, ici, voilà. Vous voyez, non? Ouais, si, on voit. Donc ça, c'est le truc que j'utilise pour jouer au clavier souris. Tout le temps. Tout le temps. C'est un régal. Voilà. Un peu sérieux, on se met dans l'ambiance ici pour Resident Evil Village. Hein? Et... alors, je répète... Je n'ai absolument rien vu de ce jeu, ni trailer, ni démo, ni article, rien du tout. C'est vraiment la totale découverte, donc voilà. Sur ce, bah, c'est parti. Alors, nouvelle partie. Et on va aller en standard, parce que, voilà. Ouais, standard. Oh. Wait, what? A young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. C'est bien, son? But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the bat lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, c'est le bon jeu? Quench you a thirsty soul. So she drank the thick, dark blood and smiled. Je me suis pas trompé là? Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Mm. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Ah, ça fait un peu Little Nightmare là et tout. One of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beast. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. C'est quoi cette histoire, sans déconner? Je me suis pas trompé de jeu là? Sérieux? Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. C'est une super histoire à raconter à un petit gosse, hein, quand même. She's asleep. Trop ça? Said it was traditional. A local tale. Wait, what? Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Whoa. Just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry.
but I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. Okay. D'accord, c'est cash hein, quand même. Hey Rose, your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Hmm. Oh. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Ouais. Once you're a big girl, we'll have a drink together, all right? C'est quoi ça? Our taste in music's definitely improved over the years. You mean mine has. Mais le décor, il est plutôt joli, franchement. Essaye de la faire tomber. Ben, je ne sais pas comment. je dois aller où, là? Sérieux? Wait, what? Qu'est-ce que c'est, ça? Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. Ouais, cool. Par contre, il y a la Sensi que je pourrais changer, peut-être, parce que là... Enfin, je sais pas si je suis ralenti par le... Le bébé. Avec la vision... ouais, ok. Lance. Ça, c'est l'amour de Salania, hein, ici, envers les bébés. faites gaffe à donner votre bébé, là, à Salania. Just making sure it's locked. Ah, mais ok. Attendez. Ok, là, y a rien. There, there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Je pense pas que t'as compris, mais bon, bref. Qu'est-ce que c'est? Your mom and I love this song so much. D'accord. Ok, sa chambre. Ok, super. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Mais attendez, du coup, c'est quoi? C'est le même couple que celui du set? J'ai l'impression, non? Si? Ah merde. On s'est encore disputé, Mia et moi. Ah oui, ok, Mia, ouais, je reconnais là, oui, oui. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Ah oui, ok, voilà. Et, ça l'a fait sortir de ses gonds. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir se consacrer à Rose. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. Eh oui. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si de rien n'était, enfin, n'avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on lui doit bien cela. Je suis sûr que Mia en est consciente, elle aussi. Elle n'aura pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. D'accord. D'autres trucs.
Naissance, Rosemary. 2020. Examen, oui, vu, okay, aucun trouble. Remarque, les résultats des examens complémentaires relatifs au dépistage d'agents pathogènes fongiques seront fournis par la, enfin, le BSA, Hôpital Mémorial d'Appelfeld. Yep. Ouais, bah, encore heureux. Wait, what? On peut tourner les pages là? Si. On sait pas zoomer, tiens. Enfin, si, peut-être. Non? On sait pas? Enfin, non. I wish it could stay like this forever. Hélas, non! Ok. Bon, on va sortir de là. Deux secondes, parce que je vais juste changer la Sensi, parce que là, elle me dérange un petit peu. Sensibilité caméra, oui. Comment on fait? Wait, what? Voilà, ouais, ok, c'est un peu mieux, oui. Bah, je veux un peu lire ce qu'il y a dans le livre, non? Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Is she okay? Sleeping like a, well, like a baby. Zupa. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here. Military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, be... Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Wait, what? Mia, get down! Mia! Oh God. Mia. Oh God. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? What? Ah, on le reconnaît à peine, Chris. Mon Dieu. Oh, mais c'était tellement cosy. Sans déconner, quoi. All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Get him out here. Wait, what? Quoi? Non mais sérieux? C'était tellement chill. «
Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the Doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't! Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Work. Ça calme direct. Et sinon, ça va bien. Enfin, c'est nickel, qualité et tout. Salania, quoi. Ok. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized. Fuck. What the hell happened here? Mm-hmm. Ok, ça fait, ça fout direct dans l'ambiance ce truc. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Ok. Pourquoi les deux ? Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront les accompagner. Ok. Donc elle, limite, c'est on s'en fout. Osef, complet. Ça commence déjà ? Il y aura un truc, j'en suis sûr. C'est malin. Malin. Ok. Oh. Que c'est? C'est un corbeau, mon dieu. What? Ok. Ok, on se barre d'ici. On se barre, putain. C'est bon, calme-toi. Bordel, tu m'as eu. Ok.
plus, il sait pas viser, enfin, avec sa lumière un peu plus haut, s'il vous plaît. Ok. C'est la panique. Ça a servi à grand chose. Ok. Ok. Et par contre, le fauve, j'ai l'impression, il est un peu naze, non? Ça pue tellement. Ça pue tellement. En plus, t'as rien pour te défendre. Qu'est-ce que c'est? Wait, what? Zoom. Ah. Ouais, ok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, bref. Ça, c'est malin. Ok. Ouais, genre t'as peur d'une souris et là tu vas voir un truc là derrière. Ah oui. C'était sûr. Le son, il est génial, je trouve. Ok. Et quoi? Ah, d'accord. What did all this? Ouais, peut-être. Ah oui, tu parles du conte de fées, là, au tout début. Ouais, peut-être. Ça avait l'air. Mon dieu, mais cette ambiance, quoi. Elle est énorme. Waouh, ok. D'un coup, il fait jour. Ouh. Wow. Ah, c'est classe. Ah, énorme. Wow. Ok. Oh, pauvre cheval! Salania, il va adorer ça parce qu'il déteste les chevaux. Oh non, pauvre cheval! Oh! Ouais, ok, bon ben, tant pis. On va aller là-dedans. Maybe they're out.
Par contre, il n'y a pas de... Attendez, deux secondes. Ah, en plus, il y avait l'image, là, sur le truc. Il n'y a pas le fauve. Sérieux? Ils ont pas mis de fauve. Non mais sérieusement. Enfin, le champ de vision. Attendez. Peut-être c'est autre part. Non. Non, c'est pas ici. Caméra? Non, y a pas. Mais what? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu trop zoomé. Mais bon, ouais, tant pis, écoute. Ouais, là, c'est le même truc. Ok. Je n'ai plus rien. Il est parti où? S'il vous plaît. Enfin, un objet, ok, classique ça. Ok. Profondeur du champ. Ah, il y avait écrit. Attends. Je refais. C'était où? Je suis aveugle ou... Ah, profondeur de champ. Ouais, mais ça c'est... Non, ça c'est le deep of field. Ça c'est le dof. C'est pas le fauve. Ça pas... Ouais, justement, c'est pas à confondre. Tu vois, c'est le flou, mais sur l'arrière-plan. Ça c'est le dof. Moi, ce que je veux, c'est le fauve. Donc le fov, c'est pour augmenter le champ de vision, enfin l'angle de la caméra. Mais apparemment, je vois pas, enfin ici. Ouais. Je sais pas. Enfin bref, tant pis. On se met dans l'ambiance. Non, y a pas de souci, Alex. Y a pas de souci. Bah ça, c'est, ouais, enfin, typique pour les écrans larges, quoi. Et là, du coup, bah, ils ont essayé de, j'ai l'impression, de zoomer pour ne pas voir les choses à l'extérieur, quoi. Parce que sinon, bah, je sais pas, il y a des modèles qui sont pas animés ou que sais-je dans les cinématiques. À mon avis, c'est ça, mais bon. Ouais, je sais bien, oui. Mais ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une map? Attendez. Ok, inventaire. Ah, il y a du crafting, d'accord. Objet clé, ouais. Trésor, ouais, ok. Alors, map? Non? Il n'y a pas de map? Ah si, là, ok. Ok.